pour dire, il faut nous essayer de bien cerner et aider la population à bien comprendre. Donc, ailleurs, comme information, le CSPN était engagé route Kafoua, aller massif faire des virons, la viron de pendant que des cadavres de certains citoyens étaient toujours absorbés espace massif. Donc, dans mon moment côté, même monsieur CSPN Zayo, le premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, le directeur général de la police, et bien, il était après la viron de cadavres des citoyens qui victimes depuis vendredi, étaient toujours à terre dans la chaussée Matissan. Et il y a des cadavres qui sont dans la caille en Matissan. Donc nous devons comprendre exactement, en tant que monde qui a réfléchi pour payer ça, qui ça qui a passé en dans l'État. Et pour qui ça, réponse qu'il fallait, tu es obligé de prendre tout le temps ça, que des populations obligées, tout le monde qui a fait obligé de recevoir des mounes qui sont sur Matissan, Fontamara. Donc toute Matissan vide net, net. On avait dit, ça a dit aujourd'hui là, c'est magistrat commune qui a fait, Jules de Dorpierre, qui a tout ça là, sous d'autres journées aujourd'hui là, qui a recevoir des mounes. Ok, qui ont besoin humanitaire. Où sont passées les organisations de droits de l'homme? Côté mounan de gouvernement, parce qu'il faut une réponse rapide face à la situation de terreur qui a sévi en la région métropolitaine de Port-au-Prince. Donc, président Jovenel Moïse, vous n'êtes pas capable de dégager au fait ça, vous devez faire. Parce que je dis à la population, pas capable de continuer à victime comme ça. Vous n'êtes pas capable manger. Et balle dans le corps, corona dans le corps. Donc ça veut dire que je dis à là, il faut une réponse appropriée face à la situation de terreur et il faut combattre le banditisme à tous les niveaux. Donc ça veut dire que ces bandits à col, que ces bandits à veste, que ces bandits, quelque la jeune liée, faut que la population joigne une solution dans le moment ça n'a pas là, parce que la situation ça n'a pas qu'à être comme ça. Moi j'ai cherché l'information, nous connaissons, après ma information. Merci à les haïtiens, ok, bon. Et justement, nous apprenons que DDO, il a changé DDO, donc et dégage les AU, donc confirmé l'information ça pour nous. Et Joël Cassius, il a remplacé donc, par un autre commissaire, donc la tête de la direction départementale de la police nationale au niveau du département de l'Ouest. Et confirme pour nous les AU. Ok. Matin, restez sous matin débat parce que. Il y a des vérités qui parlent sous table dans le débat. C'est déjà une opinion qui a bâti là pour une intervention militaire étrangère. Prêtez ce matin débat. Nous allons parler avec Robinson d'Haïti pour l'éditorial donc, du jour. Et puis ensuite, tout ce d'après, nous allons entrer dans le commentaire, analyse sur le point qui est sous table là, madame, monsieur, donc pour ce lundi. Et 7 juin 2021, confirmé pour moi et Josué, est-ce que nous sous chapitre 6, nous venons sous chapitre 7, ou bien est-ce que c'est sous chapitre 7 que nous venons sous chapitre 6? Ça, c'est extrêmement important, parce que pas oublier que chaque vie de son bagage, et l'on pays sous chapitre 7, l'on pays sous chapitre 6, l'on pays sous chapitre 6, et sous chapitre 6, l'on pays sous chapitre 6, donc confirmé pour nous, est-ce que c'est sous chapitre 7 que nous venons sous chapitre 6, ou bien est-ce que c'est sous chapitre 6 que nous venons sous chapitre 7? Nous avons eu une bataille comme ça, et nous avons soit descendre dans chapitre 6, nous venons remonter à chapitre 7, ou bien nous sommes dans chapitre 7, nous venons descendre dans chapitre 6, et essayer donc et confirmer pour moi, donc Josué, parce que nous avons besoin d'éléments importants dans le cadre d'analyse que nous allons faire, madame, monsieur, sur ce qui a passé là, madame, monsieur, dans le pays. Ok. Haïti, insécurité, Claude Joseph rétablit le calme. Bon, bah, qui bon, et Robinson d'Haïti, je viens de dire ça, et bah, ça Claude Joseph fait là, lui-même. Établir le calembre là même là. On a les textes là. Regardez les textes là, vous, parce que des fois, textes là, pour nous, on va regarder. Vous avez besoin de textes là même là. Après, avec l'autre chose, il faut établir le calembre qui bon. Ok? La PNH est-elle en chute libre? La police nationale d'Haïti est-elle devenue une chorale chantant toute la sainte journée sans incapacité à remplir toute la sainte journée? Son incapacité à remplir sa mission qui est de protéger et servir la population. Certainement pas. Le dimanche 6 juin 2021, le Premier ministre ad intérim Claude Joseph, bien escorté, était en promenade à Matissan. En promenade. Sans étonnement, il a pu constater que l'institution policière a pu y ramener l'ordre
et ouvrir la voie de la circulation. Le pouvoir en Haïti est-il étranger aux Haïtiens? Au terme d'une fin de semaine sanglante à Mortissan et Fontamara, le Premier ministre a y effectué une visite des lieux. Il n'a pas été victime. Il n'a pas eu peur non plus. Pourtant, des familles ont dû quitter leur quartier pour échapper à la terreur de la violence. Pas moins de 3 policiers sont tués et des commissariats donc sont pillés. C'est à croire que les tenants du pouvoir sont à l'abri de l'insécurité qui sévit à Port-au-Prince. Entre les chefs de gangs armés et les hommes d'État, existerait-il des liens de parenté? Cette zone de forte turbulence s'est tue à l'arrivée du chef du gouvernement. Il est dit que tel ancien Premier ministre qui causait régulièrement avec des bandits serait le compère d'un puissant chef de gang armé. Il s'entretenait avec souvent, donc avec lui sur les questions de sécurité nationale. Donc, si M. Claude Joseph garde bien l'héritage de son prédécesseur, il ne courait aucun danger amortissant. Sortir du mauvais pas et non aller vers le pire. Chacun sait que chacun sait que nous, en face de plusieurs bandes armées ayant une force de frappe supérieure à celle de la PNH, donc les policiers se résignent à en faire les frais. Difficile de compter sur les forces armées d'Haïti remobilisées. La plupart des militaires ont pris de l'âge. Ils vieillissent en laissant tranquillement rouiller leurs armes. Aujourd'hui, quelle alternative? En tout cas, la visite du Premier ministre est réconfortante. C'est signe que l'État reprend le contrôle des quartiers volcaniques de la 3e circonscription de Port-au-Prince. Sa visite a aussi le mérite de prouver aux Blancs que la violence n'a pas encore atteint un seuil critique et que les linges sales peuvent toujours se laver en famille. Robinson d'Haïti. Donc, le contact avec Robinson d'Haïti. On va faire contact là. Oui, si, pas d'accord avec Robinson dans l'Axe. On va faire contact là. Et alors, information d'Axe chargée, c'est Alex Pierre-Louis. Alex Pierre-Louis. Qui remplace. Et alors, Joël Casséus. Donc, c'est confirmé. Donc, ouais. DDO, en fait, Alex Pierre-Louis, c'est le nouveau DDO. C'est le nouveau DDO, donc il est remplacé donc, à ce poste, monsieur Joël Casséus. Joël Casséus. Donc, ça, c'est dernière information. Donc, à l'émission Matin Débat. Même bien que, comme je vous l'ai dit ce matin, il y a deux informations qui confirment là. C'est confirmé donc, que le référendum est reporté. Nous allons l'analyser pour nous tout à l'heure. Et qui a venu président Jovenel Moïse donc à partir de ce report. Ok, c'est confirmé. Le référendum est reporté. Okay? Alors, Alexandre est en tête DDO déjà. Alex Pierre-Louis. Pierre-Louis remplacé Joël Casséus à la tête donc, de direction départementale et l'ouest de la police nationale d'Haïti. Je ne vais pas vouloir la tête moi maintenant. Et texte moi sous temps de l'IA. Bavle bay tête moi menti, moi le temps de Robinson. Moi monsieur son plaisir il prend avec gouvernement. Titre là monsieur ironique, très ironique. Titre monsieur bay là, les lap détail son l'autre bagage. OK. Monsieur d'Haïti, bonjour, bienvenue à l'émission Matin Débat, comment vous allez? Bonjour Matin Débat, bonjour monsieur le Codésir, bonjour à maître Lexidor, bonjour au député Pierre Marcet à toutes, bonjour à Esaïe César, bonjour à toute équipe technique là, et notamment Babas et Henri, bonjour à tous les petits auditeurs qui appellent nous sur la télé éclair et sur toutes les plateformes évidemment. En plaisir pour nous ensemble, pour nous commander du TERUAL qui est très Haïti Insécurité, Claude Joseph, le premier ministre Haïti, rétablit le calme. Le titre est-il ironique, monsieur d'Haïti? Non, c'est plutôt un constat à partir des dits du Premier ministre. Et nous connaissons qu'il y a un tweet que le Premier ministre Claude Joseph a publié hier, côté le dit, c'est qu'on visite, et qu'on était fait en visite des lieux, après plusieurs CSPN, pendant qu'il y a plusieurs monde qui a mouru, plusieurs innocents qui a mouru, massifs en Fontamara, en pile famille. Je suis d'accord avec le Premier ministre, on a bien dit que le tenant courant, que le tenant courant dans Matissan. Et que c'est un courant. Alors, vidéo montrée, aux gens et tout. Bien sûr. Côté population. Il y a des vidéos. Tout le monde est évidemment. Donc, il y a plusieurs CSPN qui fêtent.
et au terme du TSNJA et au terme de cette fin de semaine de ce week-end sanglant, évidemment, et le Premier ministre Alphonse Promenade, Marcissan, qui soit sain et sauf pendant qu'il y a des victimes et pendant qu'il y a tout des policiers qui tombent et il y a tout des commissariats, qui, des postes de police qui vandalisent. Voilà. Ok, la PNH est en chute libre. La police nationale d'Haïti est-elle devenue une chorale chantant toute la sainte journée son incapacité à remplir sa mission qui est de protéger et servir la population? Oui, justement, le nombre de quantité de violence qui peut gagner Marcissan et Fontamara, on a monité nécessairement côté force de l'ordre, c'est-à-dire côté PNH et côté force armée d'Haïtien. Est-ce que PNH a particulièrement quitté impliqué dans tout bail? Est-ce que PNH a une journée allié en chute libre? Ou bien est-ce que police nationale d'Haïtien, c'est un simple choral qui a santé toute la fin de journée, incapacité pour remplir mission? Les missions, nous connaissons très bien, c'est protéger et servir la population. L'un des mots de son terme, moi, c'est pas ça. Et la PNH n'est pas en chute libre, et la PNH, c'est pas choral qui a santé, incapacité pour remplir mission qui s'est protégée et servir, parce que dimanche 6 juin 2021, Premier ministre Ayer, que Joseph bien escorté, bien accompagné, c'est des PNH Lavel, il était parti pour Mme Marcissan, et sans étonnement constater évidemment que l'institution policière vivait ramener l'ordre et ouvrir la voie à la circulation. Donc la PNH existe encore. Le pouvoir en Haïti est-il étranger aux Haïtiens? Bon, justement, c'est là ma position de question. Est-ce que le pouvoir en Haïti, est-ce qu'il est étranger aux Haïtiens? Pendant que il y a des Haïtiens qui sont victimes toute la fin de journée, il y a des Haïtiens qui sont des simples citoyens qui sont victimes, qui ont couru, qui des cailloux, etc. Il y a des policiers qui ont mouru, et que le Premier ministre, tranquillement, descend maintenant, et même si c'est après coup, évidemment, les bonnes brigades ont fait le passé, et puis il descend. Et il fait promenade, l'île, marché, etc. Bon, par contre, tous qui sont défis de la population, bon, nous ne pouvons pas circuler là, bon, moi-même, moi, circuler là. Donc, même à cause de cette question, est-ce que le pouvoir d'Haïti est écrasé aux Haïtiens? Dans le sens que les tenants du pouvoir, est-ce qu'ils sont à l'abri de l'insécurité et capérage, je ne veux dire, n'importe où? Parce que c'est clair, parce que si ça a passé là, Marcissan et Fontamara, est-ce que le Premier ministre descend aisément? Et en bas, même si évidemment c'est qu'il y a quelques petits problèmes, il y a un petit courrier parce que nous voyons des vidéos et ça peut être peut-être en difficulté, mais il n'y a pas de victime. Et il y a des policiers, je vais vous dire, et qui victime d'un mandat nécessairement les tenants du pouvoir, est-ce qu'ils sont à l'abri de l'insécurité? Parce que ça crie, je vais vous dire, monsieur Désir, c'est que toute cette insécurité qu'a causé, je vais vous dire, et autorité, par exemple, cœur de ça. Par exemple, faire attention à ça pour une raison bien simple, parce que ils ont vraiment exempt, ils ont vraiment à l'abri de tout ça qui a passé. Et il faut qu'on songe très bien que, nous ne pensons pas, non, monsieur, c'était un ancien premier ministre qui était contre la plaisir, pour le dire qu'il est habitué à parler avec. Quand il est habitué à parler avec. On parlait de Joseph Jout, très bien. Bon, un petit peu, trop de mois, les difficultés pour me songer, et en réalité, non. Mais me songer que le Premier ministre, c'était pareil, et il a dit, avec insistance évidemment, que le Premier ministre, ancien Premier ministre, c'était pareil, petit, en chef de gang, donc chef de gang, c'était mon père. Petit, tu l'as appelé. On passe à côté, il a dit beaucoup de choses. Donc, chef là. C'était pareil, petit, mon chef de gang. Tu l'as appelé. Mon compère de temps en temps pour parler de ça, pour parler de la sécurité nationale. Donc, si M. Claude Joseph, le Premier ministre, a eu le Québec héritage prédécesseur liant, et comme je disais, c'est avec aisance qu'il est capable de faire Marcissan, évidemment. Il n'a aucun danger à Marcissan. Très bien. Ok. Entre les chefs de gang armés et les hommes d'État, existerait-il donc des liens de parenté? Oui. C'est de soi parler? Oui, certainement. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut sortir du mauvais pas et non aller vers le pire. Et là, moi, je suis clair sur ça parce que je vais vous dire, comment est-ce que nous constater? N'a pas dit très sincèrement, et M. Désir, est-ce que la PNH est capable de faire face
avec bande armée nous gagne journée aujourd'hui. Et c'est seulement eux-mêmes qui ont payé pour casser, a payé pour casser très cher journée aujourd'hui. En plus là, devoir mourir. Nous sommes attaqués le village de Dieu, mais ça se fait de la rue, ça mort. Côté bien, pas moins de 3 policiers qui victimes qui mourent, n'a plié et travaillé, et que bien des postes de police qui vandalisent, qui pillent. Journée aujourd'hui, bande armée, ils ont force de frappe, et là, il faut nous reconnaître ça, qui est supérieure à la police nationale d'Haïti. On a fort demandé que nous, côté force armée d'Haïti, remobiliser en lien. C'est là le problème. Là. Et à partir de quelques contacts que nous avons eu avec des mounes dans le ministère de la Défense et certaines personnalités, mon cher monsieur Désir, il m'a été dit qu'en pile dans le militaire, et il y a quelques jeunes évidemment qui sont formés en Équateur, mais en pile dans le militaire qui vient la force armée d'Haïti ou mobilisée, c'est des gens qui ont pris de l'âge, ils ont pris un pile de l'âge, ils ont vieilli. Et même ça a été laissé de monde qui a mangé, qui a bré, qui a dormi, et puis qui a gardé les dames qui a rouillé dans mes aujourd'hui. Je dis, qui alternative qui vient pour nous sortir du mauvais pas et non pour nous aller vers le pire. Je ne vois pas tout ça, mais c'est la PNH face évidemment à cette bande armée qui a une force de frappe militaire supérieure à celle de la PNH, et puis je retourne Yamoun. Mais comme nous surtout, et M. Désir, et visite le Premier ministre, parce que c'est des analyses, c'est des commentaires, des opinions que là-bas, il faut nous dire que le Premier ministre est très réconfortant. Moi, je m'adresse ça personnellement, que le Premier ministre a loué la visite des lieux. Parce que c'est si que l'État reprend le contrôle, capture Volcanisao qui gagne la troisième circonscription de Bord-Brest. Donc, visite lui en tout, à mon avis, lui prouver blanc, lui prouver international là, que la violence, il faut qu'on atteigne un seuil critique. C'est-à-dire que pour nous demander une intervention militaire étrangère. Donc, jusqu'à présent, malgré la violence, les linges sales peuvent toujours se laver en famille. Nous avons toujours des petits problèmes, non. Donc, c'est fini. Et parce que, pour qu'on ait visé pour les ministres à hier, c'est vrai, il est capable de sauver, mais capable tout en message à l'international pour dire là que nous gagnons, nous sommes capables de laver en famille, mais nous, là, l'État est bien présent. Ça veut dire, oui. Ou ça veut dire que Claude Joseph est de connivence avec Bandio, parce que si vous parlez pour conclure, que les linges sales peuvent toujours donc, se laver en famille. Et pas nécessairement en connivence, c'est possiblement le capable en connivance, parce que ça me fait douloureux, trois anciens premiers ministres qui désirent qu'on parle de temps en temps avec des bandits, des chefs de gang. Si M. Claude Joseph, Kembe et Rital, je vais laisser ce lien. Donc, c'est possible qu'il soit en connivence avec les bandits. Mais là, je n'ai pas aucune preuve, je n'ai pas aucune donnée dans même pour me dire que M. Claude Joseph est de connivence avec ces bandits-là. Non, je n'ai pas qu'à dire. Cependant, moi, je dis que visite pour le ministre à IA, Massissa, Fontamara, il est très réconfortant dans le sens que nous sentons que l'État présent, l'État capable de venir dans une zone de nos droits, et puis il dit que l'institution policière il rétablit l'ordre et que l'on ouvre la voie à la circulation. Ça me pense que c'est bien, c'est un bon message. Mais ça visite aussi être un autre message à l'international, dans le sens que lui dit que pas une violence qui atteint un seuil critique, je ne veux dire. Violence n'est pas tellement énorme, je ne veux dire, pour nous faire venir des militaires étrangers, ou en intervention militaire étrangère qui viennent établir l'ordre, qui viennent établir la paix. C'est-à-dire, radical, nous sommes capables toujours laver en famille. C'est un message clair, c'est un message fort que M. Claude Joseph bail international là et bail politique pour tout pour dire que nous là et bail population tout pour dire que l'État est encore là même s'il ne donne pas de résultats. Très bien, merci en pile donc monsieur au maintien d'Haïti, merci en pile. Merci infiniment monsieur Désir et ma ajoute en bagaille, je voulais remercier de tout cœur et au nom de Mathieu Débat évidemment et monsieur Harry Norguez et qui fait sortir en Rome là, qui est le général Rome. Et sincèrement, pendant le week-end, M. Désir, Mougouté Rome là, le général Rome boit deux coups, c'est vraiment deux coups de Rome, son bagage est extraordinaire. Donc, général Rome, merci infiniment, et au nom de Mathieu Débat, parce que c'est tout Mathieu Débat qui vient général Rome dans la journée aujourd'hui. Merci infiniment, Harry Norguez, merci infiniment, général Rome. À demain, matin de bas. Merci, Bill. Donc, le 31-55-43-25, c'est le numéro de téléphone où vous êtes capable de faire contact avec Obenzo Ndaiti si vous souhaitez faire commentaire avec lui
échanger avec lui donc, sur les différents éditoriaux donc, de l'émission et Matin Débat. Aïno Guest en forme, merci en pile donc, pour Omna, qui c'est Général Wom, que vraiment n'a pas savouré pendant toute semaine donc, ici donc, à l'émission Matin Débat. Ok, bon, préparez. On a le, est-ce que anniversaire Josué pour nous camper dans route? Alors pas anniversaire mais il y a une institution là, il y a pile monde notamment syndicat c'est ONA. ONA. Après il mort Chesnel, ONA a quasiment bloqué administrativement. OK. Tout simplement parce qu'il pas gagné un DG adjoint dans l'institution. Donc c'est-à-dire c'est un seul monde qui était droit de signature, oui, il faut que DG oui. Avant là. Oui. Il dit activité ou quasi. Oui, mais dans la structure, on a donc il prévoit un directeur général adjoint. Il prévoit un directeur adjoint et qui tape gain responsabilité. Responsabilité et responsabilité distincte. C'est-à-dire poste là il là mais et le président gain les potco et nommé mais et là activité. Bon ça pas si tu gain déjà adjoint, on attend de nommer un nouveau DG. Et activité yo yo t'a continuer. Imaginez gagner pensionné yo depuis mois de mai yo pour toucher jusqu'à présent. Ah oui, mois de mai malheureusement qu'est-ce moi m'a demandé oui. Yo beaucoup toucher avec Chesnel pas gagner ça, avec Chesnel a fait ba moun pas de toucher pas gagner ça en tout cas et ont déjà adjoint li nécessaire pour institution à l'avenir j'ai gagné un problème comme ça encore et pour le capable pas camper. Ok, ou pour anniversaire, permettez dans tout. Nous avons un anniversaire, alors nous avons un petit parler, même si nous n'avons pas vraiment terrété sous question avec d'Haïti. Et on premier, alors ça nous dit titre là, hein. Il était nettement un premier ministre pas qu'en promenade. Nous parlons de assassinat, alors promenade c'est flané. C'est flané. Donc un premier ministre pas de cas en promenade. Donc si vous c'est en promenade d'été. Donc bon et c'est quand vous choisissez puis vous dites c'est moi qui mets bagay ça. OK, on va essayer d'analyser donc madame monsieur, on va essayer donc garder parce que pas oublier que analyse matin de bas. Et y a toujours tombé correct. À conjoncture là, à ce qui a passé dans le pays. Il y a très peu d'analyses que nous faisons qui pas chita, qui pas tomber correct avec la réalité. Très peu. Et ça qui fait des fois, on vient de gagner l'impression que c'est redite. N'a fait ici parce que nous tellement et toujours en avance oui mais c'est non c'est tellement nous en avance les bagages ont venir arriver kounia nous te dit déjà le pouvoir parce que c'est ça c'est pas aujourd'hui t'as dit le matin louko c'est pas un boule cristal que nous gain c'est dans réalité à nous yé c'est à terre à nous yé nous analyser en fonction des données ça terre qui vient faire que nous capable prévoir Jean bagaille ca demain mais malheureusement autorité moun ka prend décision yo. Il n'y a pas tenu compte de ça que dit, parce que si on a tenu compte de nous, on pas privé là-dedans parce qu'on était prévoir. C'est clair, c'est clair. Comprenez, donc c'est, et c'est pas oublier, madame, monsieur, diriger, c'est prévoir. Prévoir. Donc gouverner, c'est prévoir. Ok, monsieur, on allait. Dans l'exercice, ça, on fait débat. Ça qui malheur qui arrive, c'est lorsque oublier. Oublier, et puis vous venez en contradiction avec ce qu'on dit. Correct. Ou perd du fil que je trouve. Le capitaine Déa, lui rappelait, mais ça que tu dis matin de bas, telle époque donnée, qui t'a fait un impact sur lui, et puis regardez, il vient voir où dit on l'autre bagaille. Des fois, ce n'est pas parce que vous êtes méchant, ou bien ce n'est pas parce que vous parlez correct, ou bien ce n'est pas parce que vous êtes intellectuellement mal formé, non? Ou câblier. Ou câblier. Ou câblier. Donc, c'est effort pour faire, pour le bagaille à venir, vous dire non. Mais qui position de gagner les bases à titre. Très bien. Ok, bon. Jeudi, c'est lundi 7 juin 2021. Une tête dans l'émission Matin Débat. Deux mois, ça, qui c'est mois de mai et mois de juin, c'est deux mois. Côté que. Bagana, pour la situation, pour la vie, plus compliquée dans les haïtiens. Parce que. La date du 27 juin, sous table Martin de Bande, dit que faut tout haïtien te considérer tant coup la date de l'indépendance, tant coup date du 7 février 1986, tant coup date 17 octobre, parce que la date du 27 juin 2021, ils sont date butoir. Pour ce pouvoir,
pour l'opposition et pour l'international. Je vous rappelle tout le monde qui a attendu l'émission Matin Débat. Et comme toujours dit ça, tout ça qui vient là comme bataille, ils sont batailles politiques entre gauche et droite. Pas j'aime les ça. La droite que pouvoir symboliser, parce que Jovenel Moïse est de la droite, et l'équipe de l'opposition qui en face Jovenel Moïse comme président qui c'est la droite là. Puis fort là dedans, c'est gauche, mais là dedans tout qui doit être gauche. Est-ce que vous comprenez bien, madame, monsieur? D'assuré, tu dis, puis fort là dedans, c'est droite et gauche. Bon, non, ok. Donc, non, puis fort là dedans, c'est gauche. Puis fort là dedans, c'est droite et gauche. Droite et gauche. Ok, mais si reste qui était là, ça qui gauche là. Mais vraiment, si reste là. Ça qui gauche là, c'est minimum pile. Minimum pile. Mais c'est pile, bien maintenant tout. D'ailleurs, lorsque. Ça vient de toi, mon frère. Ils vous les ont paquet de bagages parce que vous avez un charisme comme politicien. Lorsque vous avez un tableau de débat, eh bien, le PC est lourd. Donc, son bataille gauche-droite, Jovenel Moïse, PHTK, c'est la droite. L'équipe de l'opposition qui est en face là, les droites et gauche et gauche. Songez ça. Toujours songez ça. Maintenant. Bataille ça, qui sont batailles politiques, mais pas oublier. Une bataille politique li liée avec des intérêts. Ou pas capable de bataille politique sans les intérêts d'ailleurs. Qui est intérêt n'est pas fait politique ou c'est pas intérêt lié? C'est intérêt à même. Intérêt personnel, intérêt de clan, intérêt de groupe. C'est intérêt de base là, c'est lui même, c'est lui même. Que son pays a, c'est peut-être à la dernière minute, notre dernier plan, où je vais en faire pays vrai. Alors, ça qui est malheureux. Ok? De ça, le dit, madame, monsieur, comprenez ce que vous dites. Nous face à deux dilemmes. Il y a le dilemme de la bataille politique. Que tout ça n'a pas expliqué la gauche-droite. Qui c'est question d'intérêt. Et il y a le dilemme des responsabilités. Le dilemme de la responsabilité. Parce que même si Jovenel Moïse est président, il fait partie de la droite, la goumé avec la gauche ou là. Mais il est un fait que je dis, c'est lui le président, c'est lui qui est responsable de la sécurité, également du bonheur, donc du peuple haïtien, des citoyens haïtiens, et de l'avenir du pays. Comprenez bien, madame, monsieur. Oui. Alors, parce que même qu'on sorti de même qu'on de gauche ou bien de droite, ou bien, une fois qu'on vient devenir président, yeah. Ou pas ni gauche ni droite encore, ou pour tout le monde, pour tout, tout débat, ou pour tout le monde. Monsieur. C'est-à-dire que je dis là, c'est vrai que son bataille politique gauche-droite pour faire intérêt. Mais je dis à tout, que dilemme, responsabilité. Yo. Les autorités qui sont là, c'est eux-mêmes qui sont responsables. Et je pense que ce matin, je vais m'adresser au Premier ministre Claude Joseph. Ouais, je dis, je vais que c'est là le petit Claude. Bon, où t'es gagné chance pour montrer son gros Claude comme Premier ministre. Parce que pas c'est parce que le petit Claude. Parce que là, je dis, son pas un résultat comme Premier ministre. Ou son petit Claude. Tu n'as pas de résultat comme Premier ministre, ce sont petit Claude. Vous n'avez pas de vexer pour ça. Parce que je dis, l'on accepte poste là, c'est parce que justement, vous croyez que vous n'avez pas côté capoté. Parce que madame, monsieur, nous n'avons pas de président seulement. Il y a les ministres aussi, il y a les premiers ministres, les premiers ministres en tout. Je dis, sous ce petit Claude, vous vexez parce que vous avez le petit Claude. Bon, de fait, on va là de vexer parce que tout le monde est là, petit Claude, petit Claude. Alors, et peut-être ça, le président fait choix. Ok. Collaborateur, lui, il n'a pas de faire sous base Zamitaï seulement. Oui, seulement. C'est pour le faire sous base compétence. Correct. D'abord. D'abord. Ok. Maintenant, parce que, écoutez, pour éviter que ça est tombé, ça a gagné comme retombé, il vient sous d'eau. Parce que c'est vous-même qui c'est premier citoyen, c'est vous-même que peuple a libéré mandat, c'est vous qui avez mandat. Donc, et vous-même vous avez l'attitude pour choisir moun qui pour venir aider ou exécuter mandat ça que peuple a bas. Donc, si vous faites choix de moun, c'est moun baou. C'est moun baou. C'est parce que, un, vous connaissez vos capacités, deux, et yo c'est l'homme du moment ou bien la femme du moment. Maintenant, si vous ne répondez pas, c'est. Mais automatiquement, c'est vous qui ne répondez pas. C'est vous qui choisissez. Comprenez-moi, madame, monsieur, si ça n'a pas parlé tout à l'heure là. Il y a un dilemme, question, bataille politique là. Ça, c'est son premier dilemme. La bataille politique, gauche-droite, intérêt là. Mais deuxième dilemme, c'est les responsabilités.
Je dis pas, écoutez, Jovenel Moïse, comme président de la République, sur quelque chose à table à l'air, qui a sa posé question sur Matisan? En fait, nous connaissons cette question sur Matisan? Jamais. Sous quelque soit ta président Jovenel Moïse à l'air, dans le moment par là, voilà, qui moun a posé question sur Matisan? Il est donc le premier concerné. Qui est-ce que dépose? Gardez, vous dans la dernière réunion, vous avez avec le Conseil de sécurité des Nations Unies. Visioconférence? Qui ça vous a dit? Ouais, tout ça, oui. Comment faire Jimmy Chérizé pour qu'on arrête? Comment faire pays à telle côté? Comment faire telle élection, pas faire telle date? Comment... Ouais, c'est vous-même, parce que c'est vous-même qui c'est premier citoyen pays. C'est vous-même responsabilité pour mener pays à bon port. Vous responsabilité. Voilà. Maintenant, Claude Joseph comme premier ministre, c'est pour vous mener là pour le gros Claude Joseph. Mais en fait, si Claude là-bas, il fait bataille pour ça. Si Claude, c'est Claude, pas un mentir dans ça même. Comment va pour rappeler, chaque fois que dit ça là, premier ministre là, faut qu'on rappelle que c'est ancien membre du gouvernement qui est le premier ministre. Oui. C'est son ministre qui vient. Oui, c'est son ministre des Affaires étrangères. Il n'est pas étranger. Des Affaires étrangères qui vient le premier ministre. C'est pour étranger. C'est important. Non, exactement, c'est important. C'est important. C'est important. Et pas oublier tout, Claude Joseph qui est soutenu ou tu es dans le GNB. Donc, ou tu as goumé pour la droite la même. Ok, pour la droite, tu es déstabilisé la gauche. Vous songez. Voilà. Parce que bataille 2004-2003, madame, monsieur, c'est des batailles la droite et la gauche, il oui. Faut nous songer pays, faut nous songer l'histoire pays. Ya. Ok? Bataille 2003-2004, ça le dit. C'était Aristide, Diomède Aristide, comme la Manas qui était là. La gauche. Mais APED, GNB, ça le dit. La droite, oui. Bien que Gampil n'est guidé en gauche là, tout. Qui vient servir beaucoup d'APED pour question intérieure. Question fait par franchise pour la douane pendant 25 ans. Comment bien? Même ça pas ni gauche ni droite. Yo droite et gauche. Comment bien? Mais tout le monde dit. Pas oublier, je vais poser une question. Est-ce qu'il y a une question de gauche? Non. Est-ce qu'il y a une question de droite? Ou droite et gauche? Oui. Parce que moi, j'ai un gros doute. Oui. L'homme lit sous sa droite et gauche. L'homme lit idéologie, mon qui de droite. L'homme lit idéologie, mon qui de gauche. Et on regarde acteur qui est là. À comportement. On voit toutes deux droites. Droite là, c'est l'argent. Allez, mon frère. Elle est intérieur de l'argent. Alors, l'élection au campé. L'élection au campé. Vous ne pouvez pas changer au campé. Puis c'est comme ça. Il y a une fée à gauche, une fée à droite. Il y a tout derrière même. Vous ne pouvez pas changer ça. Vous ne pouvez pas changer au campé. Vous ne pouvez pas changer au campé. Vous ne pouvez pas changer au campé. Vous ne pouvez pas changer au campé.